gâteau, je considère que c'est une offrande de sacrifice par rapport à ta famille. Regarde les cadeaux TikTok, amène quelque chose simplement pour aider des veuves qui ont besoin de mettre leurs enfants à l'école cette année. Je t'annonce que le voile sera brisé. C'est pour ça que quand je dis aux gens, bâtissez votre alliance avec Israël. Oh, c'est les soiteries. Je vais aller planter un arbre en Israël. Pourquoi? Il y a les alliances qui brisent le voile. Il y a des alliances qui brisent le voile. Écoutez-moi s'il vous plaît. On n'est pas ici dans un jeu, mais dans un café de grain. Je suis Camille Makosso. Dieu m'utilisait dans les miracles dangereux. Ma femme Tatiana que vous connaissez était folle. C'est moi qui ai prié pour qu'elle soit délivrée. Dieu m'utilisait avant, plus qu'aujourd'hui. Mais je n'avais même pas de quoi payer un loyer de 15 000 francs CFA. J'étais là, Dieu m'utilise. Je connais des pasteurs que Dieu les utilise pas contre comme moi. Mais ils ont l'argent, ils ont les voitures. Le ministère avance, ils voyagent. Un jour, je suis allé dormir dans la colère en disant à Dieu, je commence à avoir des doutes. Quand dans la nuit, j'ai vu que j'étais couché, mais je n'avais pas de visage. C'est comme s'il y avait les cagoules des voleurs qu'ils ont mis sur ma tête. Ils m'ont cagoulé. Mais il n'y avait pas de tour. C'est-à-dire tout mon visage était fermé. Et Dieu m'a donné ce passage biblique en disant, on a voilé ton visage. Ça veut dire que je peux être chrétien, je peux être musulman, et sur le plan spirituel, mon visage est voilé. Ce soir, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, Barakusa Takin de Bresse, je déclare dans le nom de Jésus que tout voile qui a posé sur ton étoile, sur ta vie, est brisé dans le nom de Jésus. Je le déclare. Prends l'eau qui est dans ta main et tu vas faire l'acte que je vais te dire tout à l'heure. Écoutez-moi bien. Je vais vous révéler aujourd'hui que la personne qui a voilé ton visage est une personne qui est de ta famille ou une personne qui est intime à toi. Mais il y a 6 malédictions. Quand ton visage est voilé, il y a 6 preuves. Il y a 6 malédictions qui te suivent. Numéro 1, physiquement, tu as l'impression que ton visage noircit. Il y a des femmes et des hommes, ils ont toujours des boutons sur le visage. Le visage noirci, tu utilises tous les produits, mais ça ne marche pas. On a voilé ton visage. Numéro 2, tu fais des grandes rencontres, des rencontres importantes. Tu vois, non? Voilà. Mais tu constates que ces personnes refusent de t'aider. Ils ne veulent pas t'aider. Ça dit, partout où tu passes, on ne veut pas. On ne veut pas. Tu déposes des dossiers. On prend le dossier des autres, on ne prend pas ton dossier. Le même secret que les autres utilisent pour avoir visa, tu utilises le même réseau, ton tap poteau. C'est qu'on a voilé ton visage. C'est pour ça que je t'ai dit, prends mon numéro. Mon numéro, là, la prière que je vais t'amener, c'est gratuit. Tu n'as rien à payer. C'est le 0033. C'est pour ça que je vous dis à vous tous qui êtes ici. Si vous ne bâtissez pas votre alliance avec Israël avant le 5 septembre, vous allez regretter toutes vos vies. Parce que vous êtes bêtes. Après un tel message, tu dois t'asseoir pour dire, général, tu viens de sauver ma vie. Parce que voici la base de tes problèmes. Quand ton visage est voilé, quand tu vas à la banque, fais la demande d'un crédit immobilier. On te dit toujours, madame, votre dossier ne peut pas être accepté. Je te donne l'information. Avant la fin de ce mois, la demande de prêt que tu as demandé, la demande de titre de séjour, la demande de visa, moi, Camille Makosso, si je suis prophète de Dieu, pendant que tu tapes ton pied à terre, tu te lèves chez toi et tu me dis, amen, comme le tonnerre. Je prophétise dans ta vie que ton témoignage va effrayer tes ennemis. Ton témoignage va ébranler tes ennemis. Je le déclare dans le nom de Jésus. Quand ton visage est voilé, tu te maquilles. Ma chérie, tu te fais zo, tu te fais belle, tu es sexy. Mais quand tu sors, personne ne te remarque. Tu es belle et séduisante. Mais tu constates que ce sont les hommes alcooliques, les hommes mariés, les hommes pauvres qui ne te font que te draguer. Tu entreprends des grandes choses, mais tu ne vas jamais jusqu'au bout. Tu vas d'échec en échec. Ce sont des signes qui montrent que ton visage est voilé. Tu es dans un foyer. Mais tu constates que chaque fois que ton mari s'élève, il te dit, tu m'énerves. Chaque fois, tu lui poses la question, mais je t'ai fait quoi? Il dit, je ne sais pas, mais quand je te vois, tu m'énerves. Si ton mari te dit ça, que tu ne prends pas mon numéro WhatsApp pour m'écrire, pour dire, général, je veux ma prière de délivrance, c'est que toi, tu as accepté que ta vie soit une malédiction. Je répète mon numéro ici, 00337 44 00337 44 17 67 09. Envoie-moi le message, dit général, je suis à mon deuxième jour de jeûne. C'est pour ça que je vous ai dit jeûner aujourd'hui.
Demain, tous ceux qui vont prendre le moment de jeûne de 6h à 18h, quand lundi va commencer, ce n'est plus toi qui vas poursuivre l'argent, ce n'est plus toi qui vas poursuivre le mariage, ce n'est plus toi. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu es arrivé à un stade de ta vie où il y a des choses que tu dois voir pour que tes ennemis reconnaissent que Dieu est avec toi. Tu es arrivé à un stade de ta vie, surtout 8e mois, où les gens doivent s'asseoir pour te demander, est-ce que tu as fait un médicament? L'argent là vient d'où? Si tu me dis, amen, je vais adjaver. J'adjave et j'annonce. Tous ceux qui t'ont dévancé, pendant que je parle, je déclare, dans cette année 2024, tu les rattraperas et tu les dévanceras dans le nom de Jésus. Allons en profondeur. Le rôle du voile est d'empêcher que ton visage brille. Donc, de te faire remarquer et être visible. Il y a des gens qui sont sur TikTok. Ils font vidéo. Même 100 000 vues, ils n'ont jamais fait. Je connais des belles femmes qui sont sur TikTok. Elles me contactent généralement. Il faut m'aider pour qu'on me connaisse. On a voilé ta vie, ma chérie. Il y a un voile qu'on a mis sur toi. Tu as besoin de recevoir une prière de délivrance. La deuxième raison pour laquelle le rôle du voile, c'est d'empêcher que l'on voit ta valeur qui est en toi. C'est pour ça que tu es dans une entreprise, on ne t'augmente jamais. Tu es dans un foyer, tu n'as pas de respect. Le troisième rôle du voile, c'est que tu vives parmi les rejetés de la société au lieu d'être parmi les décideurs. Le quatrième rôle du voile, c'est que tu rates ta destinée. Et son cinquième rôle, c'est qu'on ne se souvienne plus de tes enfants. Si tu es ici, que tu dis que tu aimes tes enfants, il y a longtemps que tu m'as mené le message pour dire, général, je veux ma prière. Et tu sais pourquoi? Les enfants de Moïse, personne ne les connaît parce qu'on avait voilé le visage de Moïse. Il s'appelait Guéchom. Il y a un qui s'appelait Guéchom. Et l'autre s'appelait comment? Bref, moi je ne me rappelle même pas de leur nom. Pourquoi? Parce qu'on avait voilé le visage de leur père. Si tu ne reçois pas maintenant ton alliance, tu ne bâtis pas ton alliance, tu ne fais pas ta délivrance et tu ne suis pas un processus spirituel, ce sont tes enfants qui vont payer le lourd tribut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je rappelle mon numéro pour la dernière fois. 00337 44 17 67 09. Vous savez, qui sont ceux qui ont l'eau dans les mains? Ceux qui viennent m'écrire pour dire, le J t'appelle, tant t'appelle là, vous tous, que Dieu vous maudisse. Allez leur dire que les samedis et dimanches là, je fais mon travail de Dieu, je ne suis pas dans la distraction. Les comédies qu'eux font là, ça ne peut pas changer la vie de quelqu'un. On appelle ça la distraction. La Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les conneries. Il y a un temps pour s'occuper de la vie des gens. Il y a combien de personnes qui sont ici qui n'ont jamais entendu ce message? Beaucoup venaient m'écouter par rapport à la fête sûreté. Mais pendant qu'ils m'écoutent, ils savent que ce que Makoussou est en train de faire sortir veut libérer leur vie. Vous venez me demander d'aller me mettre dans la distraction? Je vous pose une question. Vous voulez que j'aille dans la distraction ou bien que je prie pour vous? Répondez-moi. Je prie pour vous ou je vais dans la distraction? Je prie pour vous ou je vais dans la distraction? Arrêtez un peu ça, s'il vous plaît. La vie n'est pas un jeu. Parce que quand tu vas mourir, c'est là que tu vas comprendre que le message du général était important. S'il vous plaît, prenez. Je vais vous montrer une action pour vous dire. Tous ceux qui ont le parfum de David, ce parfum, tous ceux qui l'ont, utilisez ça ce soir. Tous ceux qui ont le parfum de David, signalez-vous déjà. Tous ceux qui ont déjà reçu ce parfum de David, vous mettez dans les commentaires, mon général, j'ai déjà le parfum de David. Vous prenez avec cette unité de mesure, ça. C'est avec ça. Vous remplissez ça simplement. Vous mettez dans de l'eau tiède. Vous lisez le psaume chapitre 95. Et vous vous rincez avec. Tous ceux qui n'ont pas encore commandé ou reçu le parfum de David, écrivez-moi sur le WhatsApp que j'ai demandé pour dire, général, je veux recevoir le parfum de David. Cet élément est un élément de pouvoir. Mais ce soir, je vais faire une prière et vous allez laver votre visage. Quand vous allez laver votre visage tout de suite, à l'instant où je parle, le premier signe que vous allez recevoir, vous allez ressentir des picotements. Je dis bien des picotements sur votre visage. Il y a certaines personnes qui vont boire l'eau. Toutes les maladies qui sont dans vos entrailles, qui sont dans votre sang, vont disparaître. Parce que lorsque le voile est sur toi, la mort te suit. Donc toutes les maladies qui peuvent t'entraîner à la mort te localisent. C'est comme si ton symptôme, ton système de défense n'a plus la force de repousser les maladies. Tu es tout le temps malade. L'un des signes qui prouve qu'on a voilé ta vie, c'est que tu as tout le temps des problèmes de mal de tête. Tu as tout le temps des migraines. Tu as tout le temps mal à la tête. Tu ne peux pas dormir le soir sans prendre tes cachets. Mais ce soir, l'Éternel ne charge de te dire, le voile sera brisé. La malédiction sera brisée. Tous ceux qui sont en train de tapoter, vous êtes en train d'entrer dans votre alliance. Ce soir, prends maintenant ta bouteille d'eau. Tous ceux qui n'ont pas leur bouteille d'eau, prenez un verre d'eau. Mais je vous rappelle mon numéro WhatsApp. Le 00337 44 17 67 09.
Actuellement, je suis à 1727 messages. Il n'y a que 1727 personnes qui m'ont écrit sur 3000. Vous m'envoyez un message WhatsApp, vous dites, général, je veux ma prière. Je veux ma prière et je veux commander, je veux bâtir mon alliance. Tous ceux qui vont bâtir leur alliance cette année vont recevoir ce parfum qu'on appelle le parfum du nard. C'est le parfum que la femme prostituée a utilisé sur Jésus qui lui a permis d'entrer là où se trouvent les grands. C'est un parfum unique que les Juifs utilisent une seule fois. Et cette année, tous ceux qui vont bâtir leur alliance avec Israël vont le recevoir. C'est pour cela que je dis, envoyez-moi le message sur le WhatsApp. Vous dites, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. C'est un arbre que tu plantes en Israël, l'olivier. Tu recevras un certificat et ce parfum. Je pose ici la question aux 3000 personnes connectées. Qui sont ceux qui veulent voir le voile brisé sur leur vie? Je pose la question. Si tu veux recevoir ta délivrance, écris Amen, simplement. Je veux voir simplement Amen. Qui sont ceux qui m'ont déjà écrit sur le WhatsApp pour dire, général, je veux bâtir mon alliance? Tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Seulement écrivez mon numéro quelque part et puis après le live, vous pouvez m'écrire. Je rappelle le numéro. C'est le 00337 44 17 67 09. Demain, nous prenons un seul jour de jeûne. Le thème de demain, le jeûne qu'on prend pour demain, c'est pour dire, Seigneur, tous les voiles qui ont été posés sur ma vie, sur mes finances, sur mon travail, sur mes projets, que ces voiles soient brisées. Voici la raison pour laquelle on jeûne demain. Je répète, demain, les 3000 personnes qui me suivent, si ce message vous a touché, demain, on prend un moment de jeûne de 6h à 18h. Et le soir, à partir de 21h GMT, 23h de Paris, je vais prier pour vous. Et vous allez vivre des choses exceptionnelles dans ce mois d'août qui est en train de finir. Prenez la bouteille d'eau dans votre main, s'il vous plaît. Prenez simplement la bouteille d'eau. Et vous allez répéter après moi. Ce que je vais dire, vous allez le répéter. Permettez-moi de bloquer les commentaires pour ne pas que quelqu'un vienne nous distraire. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont sur les réseaux sociaux et qui viennent avec un seul objectif, nous distraire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Il y a une femme qui s'appelle Philomène, qui nous suit. Tu es stérile. Ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Tu veux recevoir un enfant. Le Saint-Esprit me dit, après le direct de ce soir, tu vas tomber enceinte de jumeaux. Elle s'appelle Philomène. Elle est là, elle nous suit. C'est le message que Dieu me donne pour toi. Il y a une autre qui s'appelle Marie-Louise. Marie-Louise, elle vit exactement au niveau de la France. Tu es mariée, ça fait 6 mois. Mais aujourd'hui, ton mari veut divorcer. Et ça, c'est depuis que tu l'as mis en contact avec ta mère. Depuis qu'il parle avec ta mère, il n'a plus envie de se marier. Parce qu'il te reproche que ta mère lui demande trop d'argent. Parce que ton mari est un blanc. Le Seigneur me dit, ta mère a lancé un voile sur ta vie. Tu t'appelles Marie-Louise. Il y a une fille qui s'appelle Épiphanie. J'entends Épiphanie, Épiphanie, Épiphanie. Pendant que je parle, tu vis exactement au niveau du Gabon. Ton père est au niveau des États-Unis, mais il doit t'amener au Canada. À cause de sa deuxième femme qu'il a avec elle aux États-Unis, il ne veut plus te faire voyager. Le Seigneur me dit ce soir, le voile qu'ils ont lancé sur ton voyage est brisé. Tu t'appelles Ruffin. Pendant que je parle, tu vis au Cameroun. Tu veux réussir dans le domaine du sport et tu veux faire le MMA comme Francis Ngannou. Mais toutes les démarches que tu entreprends jusqu'aujourd'hui, ça va être fermé. Je t'annonce ce soir que l'Éternel ouvre les portes. Cynthia, pendant que je parle, tu nous suis. Tu vis en Côte d'Ivoire. Tu as 27 ans. En décembre, tu auras tes 28 ans. Quand je te regarde, ma fille, tous les hommes qui t'ont contacté, tu as même un enfant avec un Libanais qui ne s'occupe pas de cet enfant. Et ce Libanais est même parti de la Côte d'Ivoire. Mais pendant que je parle, tu es en train d'échanger avec un homme qui vient en France. C'est un Occident, c'est un blanc. Dieu me dit de te dire, ce n'est pas lui qui te fera partir. Mais après cette rencontre, il y a l'une de tes amies qui est au niveau de la France, qui va te présenter à un Ivoirien. C'est lui qui est français aujourd'hui, qui te fera voyager. Pendant que je parle, il y a 327 femmes qui sont stériles. Dieu me dit, vous entrez aujourd'hui dans la grâce de l'enfantement. Pendant que je parle, mettez simplement les cœurs. Prenez la bouteille d'eau dans la main gauche. Prenez la bouteille d'eau. Prenez ça dans la main gauche. Et répétez ce que je vais dire de ma bouche. Si je dis Jésus, vous là-bas, vous répétez Jésus. Laissez-moi mettre ma musique d'adoration. Et tu vas répéter tout ce que je dis. Je dis bien. Tu vas répéter mot pour mot ce que je dis. Tu ne vas pas te faire peur.
Mais je veux que chacun d'entre vous, vous soyez dans un esprit de prière. Parce que là où vous êtes, moi je ne vous vois pas. Vous avez votre téléphone, vous êtes chez vous, et vous êtes seul pendant que je parle. Tous ceux que vous voyez connectés n'existent pas chez vous. Vous êtes seul. Ce qui veut dire que tu peux te mettre à genoux. Parce que tu es la seule personne qui connaît tes problèmes. Et pendant que je parle, les portes qui étaient fermées dans ta vie, Jésus, 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 Saint-Esprit, 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 prends le contrôle de ce moment, papa. Père, la malédiction qui a été lancée sur nos vies comme un voile, papa, qui nous empêche d'entrer dans notre héritage, dans notre prospérité, dans notre réussite, papa. Ce soir, je prie que le voile tombe au nom de Jésus. Répète maintenant après moi. Dis, je déclare. La bouteille d'eau est dans ta main. Lève la bouteille d'eau. Dis, je déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute malédiction du voile lancée contre ma vie, ce soir, je déclare, le voile est brisé. Répète, le voile est brisé. Dis, oh Dieu, je déchire le voile qui a été posé sur mon visage, qui a été posé sur ma destinée, qui a été posé sur mes finances, qui a été posé sur mon mariage, qui a été posé sur mon enfantement, qui a été posé sur ma famille. Oh Dieu! Oh Dieu! Jésus est ton nom! Père! Père! Que le voile mystique soit brisé! Que le voile mystique soit brisé! Seigneur, je refuse que ma vie soit une vie d'échec. Seigneur, je refuse que ma vie soit une vie d'accompagnement des autres. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, papa, papa, j'entre dans ma délivrance, j'entre dans mon mariage, j'entre dans ma richesse, j'entre dans ma bénédiction administrative. J'entre dans ma bénédiction professionnelle. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pendant que je lave mon visage, libère ma vie de tout voile. Pendant que je lave mon visage, libère ma vie de tout voile. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mets l'eau simplement dans tes mains et lave ton visage maintenant. Lave ton visage 3 fois. Pendant que je parle, je t'annonce, lave ton visage 3 fois pendant que je parle. Libra kasontolo kinte bost. Libra yandolo kinte breyonde kinte bans. Pendant que je parle, lave ton visage 3 fois. Oh my God. Libro kubayandis. Seigneur Jésus, je te rends la grâce, la gloire, l'élévation et la faveur. Je me mets à genoux, papa, pendant que tes enfants sont en train de laver leur visage. Éternel des armées, Dieu vivant et Dieu puissant, toi qui es le Dieu de la libération totale, toi le Dieu qui est venu briser le voile, toi le Dieu qui a déchiré le voile. Oh Dieu, libère la vie. Père, 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 que tout voile mystique, papa, sois arraché de la vie, papa, et consumé à la croix de Golgotha. Le voile du chômage, le voile du célibat, le voile de la pauvreté, le voile de la malédiction est brisé. Le voile de la maladie est consumé. Libracasunta bayandeles, l'obéyandolos. Tu es un Dieu vivant, papa, papa, papa. Tu es un Dieu grand. Pour les 3000 personnes connectées, Jésus, je prie maintenant que ta main, oh my God, toutes les femmes qui ont un problème d'enfantement, mettez la main gauche sur votre ventre. Toutes les femmes qui ont un problème d'enfantement, toutes les femmes qui ont un problème de maladie dans les entrailles, hommes comme femmes, pendant que je parle, mets simplement ta main gauche sur ton ventre. Pendant que je parle, mets ta main gauche sur ton ventre. Tu aurais un sentiment de vouloir vomir. Pendant que ta main gauche est sur ton ventre, le Saint-Esprit de l'organise. Jésus, Jésus,
Jésus, je connais ton nom. En ton nom, touche-nous fléchis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tous ceux qui doivent obtenir le papier, qui doivent obtenir le visa, prends ta main gauche et pose cela sur ton ventre. Pendant que tu le fais, je déclare ma qualité de prophète major. Père, Jésus, voici tes enfants. Papa, voici tes enfants. Là où la pauvreté existait. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Seigneur Jésus. Écoutez, vous attendez. Je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Tapotez, mettez les cœurs. Je suis en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Je vois plusieurs dossiers. D'autres sont dans les chemises. D'autres sont dans des classeurs. Je les vois. C'est comme si il y avait de la sang. Vous voyez, quand on brûle les papiers, le noir qui reste là, c'est comme si on avait versé ça sur tous ces papiers, sur tous ces dossiers. Je vois des dossiers de mariage bloqués, de naturalisation, de regroupement familial, de visa, de demande de titre de séjour. Je vois des dossiers qui sont dans le noir total. C'est comme si ils sont recouverts de la cendre. Et je vois comme un ange qui est en train de souffler un vent. Et je vois comme un soleil qui est en train de se lever. Et je vois tous ces dossiers qui sont en train d'être illuminés. Je vois comme une armée d'anges qui les prend, qui les secoue et qui les classe. Et qui disent, vous êtes prioritaire. Je déclare aujourd'hui, parce que tu es en train de suivre ce live, je ne sais pas où tu as un dossier. Je ne sais pas où tu as introduit un dossier. Que ce soit pour une demande d'argent, pendant que je parle, que ce soit pour un concours, pendant que je parle. Le Saint-Esprit me dit, ton dossier est dans la main des anges de Dieu. Je t'annonce, même si ton dossier n'était pas au complet, les anges de Dieu vont compléter le dossier. Je prophétise sur ta vie que la malédiction s'arrête à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes. Père, Père, vous allez prendre l'eau que vous avez dans votre main. Pendant que je parle, vous allez laver vos mains, vous allez laver vos pieds. Après ce direct, vous allez lire d'abord le psaume chapitre 95. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce dimanche, je vais recevoir, non, je dis le mercredi. Le mercredi, je vais recevoir en consultation prophétique à mon bureau. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mercredi à 12h, je reçois 100 personnes avant d'aller en Israël. Parce que je pars en Israël le jeudi. Les 100 personnes vont recevoir le parfum de David et le parfum de la myrrhe. Celui-là, le parfum de David et le parfum de la myrrhe. Ces deux éléments en Israël font 230 000. Je vais payer pour 100 personnes la somme de 200 000 francs CFA. Je vous demande pardon. Je vais laver vos pieds et je vais laver vos mains. 100 personnes qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vous donne le numéro de mon secrétaire Étienne. Pardonnez, prenez son numéro. Ce mercredi à partir de 12h. Donc même si vous travaillez, vous venez à 12h, au plus tard à 13h, vous partez. C'est la consultation prophétique de la Côte d'Ivoire. Même si vous êtes à Boaké, pardonnez, s'il vous plaît. Prenez le numéro d'Étienne, c'est le 07. Je donne le numéro à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Le 07 49 961 953. Je réponds le numéro. Ceux qui veulent rencontrer le général en consulte, si tu sens que cette prière est en train de te faire du bien, ce message te fait du bien, dis général, je veux te rencontrer. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le 07 49 961 953. Envoyez-le un SMS maintenant, dit je vais rencontrer le général le mercredi. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, envoyez-lui un message, dit je vais rencontrer le général le mercredi. C'est le 00 225 07 49 961 953. Demain, nous sommes en jeûne. Ce soir, dès que le live finit, prenez de l'eau, lisez le psaume 95, tous ceux qui ont le parfum de David, vous ajoutez juste quelques gouttes. Vous lisez le psaume 95, vous lavez votre visage, vous lavez vos mains du coude jusqu'à la main, vous lavez vos pieds du genou jusqu'à la plante des pieds. Les 2000 personnes qui vont le faire ce soir, je vous donne 72 heures pour me rendre le témoignage. Tous ceux
qui n'ont pas encore le parfum de David, vous m'écrivez sur mon WhatsApp privé que j'ai donné. Demain, nous sommes en jeûne de 6h à 18h. Demain à 20h GMT, 22h heure de Paris, notre live va commencer avec le match que nous avons contre Yaka Yaka. C'est un match TikTok que nous avons décidé d'organiser pour recueillir des fonds pour payer la scolarité et les fournitures des enfants en détresse. Donc demain, je veux seulement 10 personnes qui vont envoyer des lions. 10 personnes. Si vous êtes là ce soir, que vous dites, général, je crois en ton ministère. Je vais s'aimer dans ton ministère. Prends le soin d'acheter tes cadeaux TikTok et demain tu les envoies. Peut-être pour toi, ça sera un petit lion que tu vas envoyer. Peut-être pour l'autre, ça sera par exemple, comme je pourrais le dire, des chapeaux. D'autres vont amener l'univers. Mais vous savez, la Bible déclare que tout ce qu'on donne pour les veuves et les orphelins ne reste jamais, car celui qui prête aux orphelins prête à Dieu. Demain, je vais 10 personnes seulement qui vont envoyer des lions pour le match de demain. Faites ce sacrifice, faites cette expérience et vous allez rendre témoignage. Et à partir de 21h, je traite le thème demain de l'eau des bars à Jérusalem. Si ce mois d'août finit sans un miracle dans votre vie, je démissionne. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, je dois vous remettre gratuitement ce parfum. Tous ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, vous êtes aussi concernés. Je vais vous demander de m'écrire sur mon WhatsApp et dire, général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont au niveau de la France et de l'Europe, quand je reviens d'Israël, je dois vous remettre cet élément gratuitement. Vous m'écrivez, général, je veux mon cadeau et je veux bâtir mon alliance. Je vous donne mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont en France, vous êtes obligés de m'écrire. Parce que cette année ne doit pas finir sans votre miracle. C'est le 00337. Ceux qui sont au Togo, je vous l'ai déjà remis gratuitement. Tous ceux qui sont en Guinée, au Burkina, au Gabon, au Cameroun, écrivez-moi, dit général, je veux mon cadeau. Mais principalement ceux qui sont en France et en Europe, j'attends votre message maintenant. C'est le 00337 44 17 67 09. Je répète, Makoums, demain j'ai mon match avec Yaka Yaka. Tu es l'un des parrains du match. Demain, organise-toi pour ne pas me trahir. Je répète le WhatsApp. Le 00337 44 17 67 09. Je répète encore le WhatsApp du général. S'il vous plaît, prenez le WhatsApp. Écrivez-moi pour dire, général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. C'est le 00337 44 17 67 09. Je répète le numéro pour la dernière fois. C'est le 00337 44 17 67 09. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'arrête le direct maintenant et je vous donne rendez-vous. S'il vous plaît, soyons concentrés dans ces deux jours sur le plan spirituel. C'est vrai qu'il y a le dossier Tioté que je ne néglige pas. Vous voyez les dépenses que je suis en train de faire. Mais nous sommes dans le mois du témoignage. Le 23, je suis en Israël. Pourquoi je vais dans un pays où tout le monde refuse d'aller? C'est parce que je vais bâtir les alliances pour 1000 personnes. Donc si vous n'avez pas encore bâti votre alliance, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Dis, général, je veux bâtir mon alliance avec Israël. C'est un arbre qu'on plante, c'est l'olivier. On reçoit un diplôme et on reçoit un parfum de la part du grand rabbin de Jérusalem qui active vers toi les hommes d'argent, les possibilités financières et la puissance financière. C'est un parfum qui te rend riche. Si vous n'avez pas encore expérimenté, faites-moi confiance. Écrivez-moi sur le WhatsApp que je viens de donner et dis, général, je veux bâtir mon alliance. Bon, je vais saluer mes petits là rapidement et puis je vais couper le live. Parce que mon ton a lancé les invitations. Ce serait pour moi mal poli de ne pas le... Allô? Ça va? Ça va et toi? On dit quoi? Là, je vais quitter ma copine. Pourquoi? T'avais pas envie de rester avec elle? Ah, donc tu as une copine? Tu veux draguer ma femme? Oui. Ah, d'accord, je comprends tout maintenant. Pourquoi donc, qu'est-ce tu as aimé... Oh, tu t'énerves contre moi, on a un problème, toi et moi? Et là, je suis dans mes nerfs, là, ma cousine, je suis dans mes nerfs. Faut te calmer, petit, t'as pas bien. Tu sais, tu bègues avec ton truc là. Je dis, tu n'as pas besoin de t'énerver, mon petit. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est la vie. Dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Makoso. Maintenant, je ne peux pas te parler à partir de maintenant. Maintenant, je suis tout à toi. Maintenant, ramène-moi ta fille. On parle ensemble. On met la dot. On part. C'est tout. Écoute-moi, Léchi. Les gars, on va faire une chose. Non, on va faire une chose, toi et moi. Lundi, je vais préparer un live spécial entre toi et elle. Et tu auras le compte. Donc, lundi, on m'a dit, tu vois, pour le jour qui te convient. Ces questions, c'est pas les rangs inbox. Non. Mais demain, à partir de 20h d'Abidjan, 22h de Paris, je livre le match de ma vie. Je t'explique calmement. Tu sais qu'il y a des familles en difficulté qui n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants en Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés et moi, je soutiens beaucoup les veuves et les orphelins puisque moi-même, j'ai perdu ma femme. Donc, c'est des choses avec lesquelles je ne m'amuse pas. Ok, pardon, ma question. Merci beaucoup. Donc, c'est pour ça, tu vois qu'avec Kimi, je fais beaucoup attention et autres. Parce qu'elles n'ont pas le mère, donc c'est une douleur que j'ai avec eux, avec elles plutôt, avec le petit fond aussi. Donc demain, parce que moi j'ai 500 familles que je vais aider cette année. Je le fais chaque année, mais cette année on va monter à 500 familles. Demain, c'est le pari de mon match officiel. Demain, à partir de 20h GMT, 22h de Paris, je joue un match contre quelqu'un qu'on appelle Yaka Yaka. Yaka Yaka. Je ne demande rien. Je ne demande rien. À vous tous qui êtes connectés, que ce soit mes abonnés ou les abonnés de plus, je ne demande rien. Je demande simplement que toi et ton équipe venez me soutenir. Vous dites, général, on vient juste tapoter, même si c'est une petite étoile, c'est une petite fleur, on va le faire pour les enfants en Afrique qui traversent des moments difficiles et qui sont obligés d'abandonner l'école pour la prostitution parce que les parents n'ont pas les moyens de le faire. C'est pour eux, demain, je joue ce match. Voilà, mais toi, je te donne un message très, très important. Tu as énormément de choses à faire pour des personnes en difficulté à cause de ton cœur. Il y a un moment donné où tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu as près de 16 000 personnes qui te contactent tous les jours, qui sont devant toi. Ce n'est pas parce que vous êtes né en France que vous allez oublier le continent africain. Il y a une misère incroyable ici. Des jeunes filles qui sont obligées de se prostituer, excusez-moi du mot, à l'âge de 12 ans. Tu peux venir avec ton équipe. Quelqu'un peut te donner ne serait-ce que 10 $, 15 $. Et tu peux venir construire ici des écoles. Imagine que dans ton pays d'origine, tu fais une levée de fonds. Juste pour aller construire une école. Imagine le poids que tu as. C'est-à-dire les réseaux sociaux te permettent de faire des actions. Parce que tu as le cœur pour ça. Tu aimes aider les gens. Au-delà du game, tu es un homme de cœur. Donc associe toujours l'action sociale à ce que tu fais. Si tous les abonnés qui sont là sont d'accord, écrivez dans les commentaires, je suis d'accord. Tu verras que les gens t'aiment. 1 000 personnes. Qui décide de donner 100 €, 1 000, ça fait exactement la somme de 100 000 €, 65 millions de francs CFA, qui peuvent te permettre de construire 3 écoles, 1 000 personnes. 16 000 personnes sont connectées, mais 1 000 personnes. Il ne faut pas seulement être connu, il faut laisser des traces pour qu'après ton départ, on puisse dire voici l'école que la team de l'EJ a construite. Et quand tu vas faire l'inauguration, c'est toute ta team qui est contente. C'est pour cela qu'il fallait plus loin. Il faut que tu crées maintenant ton groupe Telegram, ton canal Telegram, que tu mettras dans ta bio, ou bien tu prendras le soin de donner pour que tous ceux qui croient en qui t'aiment puissent être dans ton canal Telegram pour d'autres projets que nous aurons en commun. Ce n'est pas de l'escroquerie. Tu poses des actions concrètes. Quand tu vois que dans un pays, tu es de quel pays d'origine? Dis-moi s'il te plaît. Tu es de quel pays d'origine? Congolais. Brazza ou Pointe Noire? Du Kinshasa. Pardon, Kinshasa. Tu sais ce qui se passe à Goma? Imagine que tu viens de créer une école dans l'un de ces territoires. Ce que des grands artistes qu'on connaît, leur nom congolais, n'ont pas réussi à faire. Toi, à seulement 20 ans, tu peux le faire. Tu as une team aujourd'hui. C'est une armée qui est prête pour toi. Il y a des choses que tu peux faire. Même 20 €, 1 000 personnes, ça fait 20 000. Ça peut construire une école. Ça peut aider des gens. Et tu restes toi. Mais sur le plan humanitaire, tu poses des actions qui vont dépasser les entendements. Ici, si tu demandes qui sont les personnes qui sont prêtes à me soutenir, pose simplement la question. Pose la question. Qui sont les personnes qui sont prêtes à me soutenir? Regarde les commentaires. Et moi, je dis, tous ceux qui sont prêts à soutenir le J, écrivez-leur en inbox, dit le J, je suis prêt à te soutenir dans ta fondation. On va appeler ça la fondation le J. Tu fais une belle photo avec ta casquette. Voilà, mais je te dis, voilà. Une belle photo à la casquette, et puis on fait le show et autres, mais à côté de ça, on aide des familles, on soutient les familles, on va. Regarde, il y a le youtubeur qui va dans les endroits les plus pauvres, il va construire des forages, l'eau sort. Mais il le fait avec qui? Avec sa team.
Si nous ne pouvons pas capitaliser notre team pour faire de une armée, pour nous aider à faire des choses, ça ne sert à rien. C'est vrai qu'il y a les Gucci et autres qui sont importants, mais il n'y a pas plus grand bonheur que d'aider des gens qui sont dans la souffrance. Et la pire des souffrances, ça m'a fait. Tu sais, Makoso, général, pasteur, malgré que tu dis ça, sans mentir, hein, je pensais déjà à faire ça. Tôt ou tard dans ma vie, je comptais faire une action humanitaire pour pouvoir aider mon pays, ou même pas que mon pays. Il y a des gens, même en France, tu vois, les gens qui sont plus dans la rue. Ouais. Quoi, les deux frères, je comptais, moi, à un moment dans ma carrière où j'allais te poser, essayer d'aider. Parce que moi aussi, j'aurais bien voulu qu'on m'aide, moi, quand j'étais petit, tu vois, ou même quand là, j'étais sur les réseaux dans mes débuts, j'aurais bien voulu qu'on m'aide. Et moi, maintenant que j'ai une opportunité, j'ai du buzz, j'allais m'en servir tôt ou tard pour aider les gens, surtout en Afrique. Tu vois, au Congo, tu sais ce qui se passe, génocide, des femmes violées. Regarde par exemple. Comment? Tu es dans quelle ville de Paris, de France? Tu es à Paris? Paris, oui. Imagine que tu donnes un rendez-vous à tous tes abonnés dans un endroit précis. Et tu leur dis, on va faire une action. L'hiver qui vient, on va aller donner des repas. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent te voir en vrai. Ouais. Qui veulent te voir en vrai, être avec toi. Moi, j'ai rencontré ici des jeunes, hein, qui sont arrivés pour les vacances de France. Qu'ils m'ont dit, le vieux, on t'a vu avec le jetonton, on veut faire une photo. Tu as une armée de jeunes de 18 à 23 ans qui sont prêts pour toi. Et demain, tu auras des messages forts parce que sur BFM, sur les télés, on va t'appeler pour dire, oui, on a besoin de ton opinion. Au même titre que Kylian Mbappé, on a besoin que tu parles. Parce qu'aujourd'hui, tu es le numéro 1. Faut le dire. Il n'y a personne en France qui fait plus de 20 000 personnes par jour qui sont connectées. Tu es le numéro 1. Or, ces gens de gloire et de buzz, un petit scandale peut tout renverser. C'est pour cela. Évite trois choses. Numéro 1, les amis qui sortent tout en boîte. Évite-les, mon petit. Parce qu'ils ne vont pas t'amener, c'est dans les histoires. Ils vont vouloir utiliser ton buzz. Ils vont te mettre après dans les trucs. Tu vois, hein? Voilà. Et après, te donner une petite fille de 12 ans ou de 13 ans, que toi, tu ne sais pas parce que tu as vu qu'elle est grande. Et après, on te filme. Oh, le J, la sexe, de chef. Là, c'est fini. Tu deviens maintenant le maudit. Les mêmes personnes qui te montrent. Dans la vie, celui qui veut réussir doit éviter les gens. L'amitié n'existe pas. Fais attention. Protège-toi au maximum. Oui, et en plus, je protège mon kiki. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a le sida. Je vis un jeune dont la vie est détruite pour un seul coup qu'il a fait avec une fille en bois de nuit. Se sont rencontrés, il a fait un bon coup. Moi, Makoso, il n'y aura jamais de coup du marteau. Moi, je suis vraiment dans ma mentalité où moi, je suis là pour être avec mes abonnés et faire mon argent et pouvoir monter avec ma famille, tu vois. Moi, j'ai envie de quitter cette HLM. J'ai envie de quitter cette maison. Tu vois, j'ai vraiment envie d'évoluer, tu vois. J'ai envie de toi que l'argent que je veux prendre, ça va me servir. Tu vois, avant, j'avais pas cette chaise, tu vois. Mais grâce au réseau, j'ai acheté cette chaise, tu vois. Avant, je sais que c'est une chaise royale. Oui. Maintenant, il te faut maintenant tout ton équipement, ton micro, où tu peux mettre un peu ta musique en DJ, tout ton équipement. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, je viens. Dès que je viens en septembre, je te donne tes 1500 euros cash. Oh! Ça, c'est pour toi, mon petit, pour que tu puisses faire tes petites affaires autres. Mais je suis tonton, je suis le tonton. Quand tu as besoin de moi, tu me fais signe, je viens, je parle. Mais mardi ou lundi, j'organise le rendez-vous avec ma fille. Voilà. Est-ce que je pourrais la draguer? Non! C'est une fille. Non, c'est la fille du boss. Je veux parler avec elle, avec tout respect, toute gentillesse. Demain, venez me soutenir dans mon match et après, on parle. Voilà. Les gars, demain, c'est quelle heure? 20h GMT, 22h heure de Paris. Ceux qui sont présents, ce sera sur mon compte TikTok ici. Pour reconnaître mon compte TikTok, il est simple, c'est 2 200 000 abonnés. Et puis, s'il vous plaît, faites monter le compte de Léger à 1 million d'abonnés pour qu'on le respecte encore plus là. Voilà. Oh, non, il ne doit pas être dans la classe des 700 000 abonnés. Oui, non, tu es un père. Si tu n'as pas la plus d'un million d'abonnés, tu dois avoir 1 million aussi d'abonnés pour que le respect soit équitable. C'est important. Oui, en plus, si j'ai 1 million d'abonnés et que Kimi a 1 million, et Kimi a 2 millions, moi, Kimi, ça fait 3 millions. Mais si tu Kimi si ressemble à les abonnés du PES, ça fait 5 millions d'abonnés. Oui, papa, Kimi, moi, le bébé. Il m'appelle déjà papa, le salopard. Le bébé, s'il te plaît, Kimi. Oh, petit, attention, hein. Mais tu peux être papy. Oh, oh, oh. Je suis encore jeune, même si j'ai la calvitie. Oui, tu ressembles à Claude Makélélé. C'est pas possible, petit. Bon, à demain, au revoir, tu continues à m'insulter, là, demain. Ah à demain. Demain 22h de France. Oh mon petit, je l'aime trop. Très poli. Très respectueux. Ah, je l'aime le petit. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Les gars, c'est demain le match avec Yaka Yaka. Demain à partir de 20h GMT.
22h heure de Paris, je compte sur vous. Je veux simplement 100 personnes qui vont amener des bijoux. Faut garder tes cadeaux pour demain. Bijoux, pardon. Gardez vos cadeaux pour demain. Chargez vos comptes, s'il vous plaît. Même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros, je vous demande pardon. Gardez vos cadeaux. Pardonnez. Demain, Yaka veut mettre la honte sur moi. Enlevez-moi de la honte. J'ai trop prié aujourd'hui. On se voit demain. Voilà. À demain. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse grandement et puissamment.